facile. Et en plus, profitez de 15 euros en bon d'achat avec... Attends, là on voit bien. Là il y a les vrais bails. Là on voit. Oh là attends, là. Attends, non, non. C'est la lumière les gars. Ah, c'est la lumière. Déjà... Ouais, non, bon, ok, bref. Yeah. Là, il a des trucs à dire apparemment. Mais lui, 500 000 pouces bleus, sinon je vais débarquer, vous allez voir. Vous faites des abonnés ou pas? Ah ouais. Putain, il y a des abonnés là-bas aussi. Il y a des abonnés là aussi. Bref, booster, poster. T'inquiète, t'inquiète. Bon, avant de vous envoyer tout ça, je vais vous expliquer un peu le projet. C'est un nouveau concept que je vais lancer sur ma chaîne, si vous kiffez. Alors, le concept, ça va être de filmer toute une semaine, prendre les meilleurs moments et vous uploader ça un jour dans la semaine, soit lundi, soit mardi. Là, pendant que je vais faire des tractions, je vais revenir de temps en temps vers vous, au milieu de certaines séquences. Voilà, je vous souhaite une bonne visionnage, on se retrouve tout à l'heure. Il est pas là, il est pas sur le cadre. T'as dit quoi? Il n'est pas sur le cadrage. Mais fais mon cadrage aussi. Non. Moi aussi je veux être. Non, la... c'est moi le number one. Heureusement ils ont pas eu ma tête. Je vais à droite. Ouais. Là on va où, Jam? Bah là on va voir notre cher Toyota. T'as acheté un Toyota? Oui, on a acheté une Toyota. Tout droit? Oui, tout droit. Ah, c'est la Toyota électrique là? Ouais. Ah, d'accord, d'accord. Putain, du temps qu'il a acheté A5, qu'il a acheté Toyota électrique. Où tu prends la thune, de, hein, Jam? C'est YouTube. Tout droit? À droite. YouTube? Oui, il gagne rien lui. Ah, en fait, tout l'argent de YouTube, c'est toi qui prends. Alors moi, je me disais, pourquoi je touche rien? Vous savez, je touche combien? La vérité. Je touche juste la bouffe et l'essence de voiture. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai fait du taxi ce soir. Vas-y, raconte pas parce que les gens, ils croient que je suis riche. Mais non, je fais ton auto-taxi. Malheureusement, vous connaissez la vérité maintenant. On est arrivé à Bojgita. 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 Donc lui, il veut dire sa pub. En fait, c'est le meilleur entraîneur de cette salle. De cette salle. N'exagère pas. Moi, je... Mensongère. Non, mais disons que de l'accueil jusqu'au plateau cardio, je suis pas mauvais. Ouais. Après, ça se complique un peu. Et c'est la seule salle où l'adhérent comme moi, j'entraîne l'entraîneur. C'est ça ou quoi? T'entraînes l'entraîneur. Ça te dérange si je te montre? Non, vas-y. Ah, solide. Ah, comme ça, tu la mets en miniature, ça fera une fille voilà, miniature. Plus 100 000. Non. Plus 100 000 vues. Non, la meilleure, c'est quand il fait une squat et là, je mets en miniature. C'est vrai. Là, je squatte pas, moi. Tu sais pas, ouais. Non. Mais je vais essayer de trouver une fille qui squatte. Je zoome. Je zoome, c'est bien, les gens. Donc voilà. En fait, je vais faire. C'est quoi le projet là? Il y avait quoi à dire? Non, il y avait rien à dire. En fait, je fais. C'est parce que t'as oublié ta carte. Alors, ça, c'est parce qu'il a oublié sa carte. Du coup, là, il essaye d'endormir. C'est bon, ça a marché là? Ouais, non, c'est bon. Ouais, okay. Excusez-moi, le travail m'appelle. Bon, il travaille très dur. Et moi, je vais m'entraîner et voilà. Attends, fais tout, il y a des abonnés là-bas. Là. Ça va ou quoi? Ouais, ça va ou quoi? Bon, passe un message à des milliers de gens parce que ça, c'est mon vlog, tu vois. Ouais. Ouais, bon, Ibra, première fois que je le vois, je l'ai reconnu direct à sa casquette. Direct, à son direct. Il habite chez moi. T'habites où? Chez toi? Chez moi, Saint-John, Saint-Hubert, bref. Ah, tu sais? Bah, bien sûr. Tu viens de Saint-John? Ouais, Saint-John. J'habite dans Saint-John même. Mais je t'ai jamais vu, ça fait 7 ans que j'ai là-bas. Mais oui, tu fais les barres de traction. Oui. Dans sa... Bah oui, pourquoi je t'ai jamais vu? Je sais pas, mec. Mais à chaque fois, je te vois des vidéos. Mais attends, voilà, le mec, il habite dans la même ville que moi. Moi, ça fait 7 ans que j'y habite et j'ai jamais croisé. Ça fait 15 ans que j'y habite. Putain, je crois que tu restes chez toi. Non, même pas, je fais que sortir en plus, c'est ça le pire. Ah bah c'est ça, tu fais sortir mais que sur Paris. Exactement. Bah c'est pour ça que je te vois pas. En tout cas, franchement, passe crème, ça fait trop plaisir mon gars. Ah bah moi aussi ça fait plaisir, tu vois, des abonnés qui se croisent et tout. Ouais, mais en plus je suis abonné en plus sur Insta et tout ça, ça fait plaisir. Insta aussi. Ah ouais, abonné ou à mon Instagram, tu vois, lui il est abonné. À mon Instagram. À mon Instagram. Sans Instagram aussi, vas-y, dis ton Instagram, c'est quoi ton Instagram? Mon Instagram, je suis même pas mec, genre. Instagram, bon, je mettrai mon Instagram, celle de Jam aussi sur l'écran. En tout cas, mec, ça fait plaisir. Bah, je t'en prie. Bah, ouais, bonne soirée, les mecs. Ça marche. À la prochaine. Bonsoir à toi. Salut. Vas-y. Ciao. On va filmer quoi, Jam? On va filmer le Père Noël dealer. Père Noël dealer, et on va vous ramener derrière les coulisses, on va dire. Même s'il n'y a pas vraiment coulisses. Pour vous montrer un peu comment ça se passe et tout. La journée du travail. Voilà, la journée du travail, on va dire. Donc là, on va à la Défense, marché de Noël de la Défense. Et je vais me changer en Père Noël. Il faut savoir que dans caméra cachée, le plus dur, c'est pas de le faire, mais c'est de trouver l'endroit parfait. Mais là, le plus dur, c'est qu'on ne peut plus faire caméra cachée si on n'est pas caché. Voilà, tu vois, si tout le monde reconnaît. Un visage de couverte comme ça, c'est impossible, franchement impossible. J'avais plein de projets, plein de trucs à faire, comme tu veux une tarte, tu vois ce que je veux dire. Je voulais faire ça aussi, mais c'est impossible.
impossible. Maintenant, c'est impossible. Je vous ai dit, les jeunes, jusqu'à 20 ans, tout le monde presque nous reconnaît. Donc, c'est très dur. Ah, les mecs des cités, arrêtez de faire des mecs des cités. Les mecs des cités, arrêtez de faire les mecs des cités. En gros, ils ont dit, arrêtez de faire le wesh, tout ça, ils l'aiment pas. Parce que c'est là, pas parce qu'ils t'aiment pas et que les gens vont t'écouter, tiens, un peu. C'est comme moi. Les gens ils me disent ouais j'aime pas fais pas ça alors que je continue de le faire, tu vois ce que je veux dire? Oui c'est vrai, mais après moi je dis mon opinion. Oui ton opinion, oui. Parce que là c'est ça casse la tête. Dites-moi ce que vous en dites déjà. Je sais pas si la vidéo va être longue ou pas, parce que moi que je vous parle, j'ai pas encore commencé le montage. Du coup, donnez vos impressions tout de suite. Bon, je vous laisse continuer à regarder. Voilà, on est arrivé. Voilà, le costume est là. J'ai un peu de ventre. Faut que je prends un peu de ventre pour être le vrai Père Noël. Ah oui, je fais pas les choses en moitié. On va faire le sport. Ouais. On va faire ça. Je dis que je fais pas les choses en moitié, mais par contre, j'ai pas de bottes. Ah, c'est sûr. Mais dommage, désolé. Je perdrai ma coste, c'est pas mal ça. Mais pas de budget pour les bottes. Déjà, vous savez pas combien j'ai payé tout ça. J'ai payé presque 100 euros toute cette merde. Intéressant. En fait, vu que y avait plus de barbe. Donc j'ai pris le perruque, il regardait, c'est moi qui ai fait moi-même. Tu vois, c'est moi qui ai coupé, comment je suis fort, non? Toi-même, t'as fait ça. Regarde, c'est moi qui ai fait, enfin c'est ma mère qui m'a attaché, je le dis. Mais regarde, non, franchement, bien ou pas? Adi? Attends, fais les choses. On fait les choses, chacun son tour. Oui, j'en ai un tir. Lui, ça, en fait, ça, moi j'entraîne l'autre entraîneur et l'autre entraîneur, l'entraîne cet entraîneur. Ça fait un petit fil. L'important c'est les stups en muscu. Et c'est tout ce qu'il faut pour prendre. Bah voilà quoi, la muscu c'est ça, c'est ce qu'il faut. Faut pousser. Je crois qu'il a plus rien d'autre à rajouter. Ouais. On reviendra plus tard quand on va s'entraîner pour voir si vraiment il a des résultats et tout. Okay. Par contre il est large. J'avoue qu'il est large. Ouais. Et là en programme alimentaire, écoutez toujours les conseils d'Ibra. Ouais. Parce que là j'ai le commissariat départemental du sport au téléphone. Oui. Il veut savoir là en ce moment si t'es sur place ou en perte de masse. Là, t'es en perte de masse ou t'es sur place? En fait moi j'ai pas du coup, de. Il coupe. Attends parce que j'ai vu qu'il allait couper la caméra du coup. Non je coupe pas, elle est toujours enlevée, tu vois. Ouais. Parce que moi j'ai rien à cacher. Bien sûr. Bah là en fait j'essaie de perdre la masse pour te pas faire la honte. Tu vois ce que je veux dire? Quand même parce que toi tu es l'entraîneur et si j'arrive plus massif que toi, c'est. Ah oui effectivement, merci. Tu perds la crédibilité. Merci de sauver mon emploi. Voilà. C'est juste pour toi. Ok. Tu vois comme je suis gentil. Bon on va voir c'est quoi son Toyota. Électrique, jamais conduit. Ah si quand même. Je conduis déjà auto libre. Mais on va voir. Elle est électrique ou elle est essence? Hybride. Ah c'est hybride, c'est pas électrique 100%. Non. Ok. Franchement. T'es moi. Regarde. Ouais, on va. Il y a même caméra, ça c'est truc de ouf. Même caméra. On peut faire des vlogs avec cette caméra, non? Bah ouais. C'est-à-dire que tu te mets derrière la voiture, tu allumes la caméra et tu cours derrière la voiture pour faire le perforer le vlog. Les... Vas-y, mets électrique. Mais c'est elle qui choisit en fait. Ah, c'est elle qui choisit. Mais ça veut dire qu'elle est nulle un petit peu quand même. Ouais. Mais elle choisit bien, tu vois. Des fois. Mais pourquoi là il veut pas choisir? Parce qu'il est froid, le moteur. Ah, intelligence de Toyota. Bon, aussi, il y a BM ou Mercedes qui veulent faire de la pub. Moi, je suis preneur. Jam, tu vas recevoir beaucoup d'amour là. Je vais poster la vidéo, ils vont voir, ils vont dire. Oh purée. Attends, il y a la police.
Il y a la police. Désolé la police. On fait pas rien. On n'a pas dépassé les 50, hein. Ouais, t'as vu. On n'a pas dépassé 50 à l'heure. Oh putain. Ah mais faut pas abuser quand même. Moi je suis pas prêt à mourir. J'ai pas fait assez de trucs bien, donc s'il te plaît, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais on n'a jamais dépassé 50. Oui, je vais dire, mais bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ah, il faut que je fasse plus de bonnes choses avant de mourir. Voilà. Faites des bonnes choses. Faites des bonnes choses parce qu'on sait jamais. Peut-être que vous allez mourir tout de suite ou demain. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de mourir avant d'avoir fait quelque chose de bien. Enfin, quelque chose, beaucoup plus de bien que du mal. Exactement. Qu'est-ce qu'elle est belle, la petite Tour Eiffel. Juste pour le pas décribidialil, comment on dit déjà, décribidialiser, j'essaie de perdre la masse. Sinon, devant l'entraîneur, je suis trop massif, donc voilà. Ah oui, bah, c'est ça. Avec tes vrais mouvements, là. Toi, tu manges quoi, sinon? Du coup, t'as quand même pas passé ta carte. Riz, pesto, dinde. Moi, je te laisse manger tranquille, hein, désolé. Et moi, je vais m'entraîner aussi. Bon, à tout à l'heure. Salut, ça va? T'as pas quelques mots à dire? T'as vu Bodyguita? Bodyguita, c'est la salle où je m'entraîne. Bon, je vais pas cacher, ça fait plaisir de temps en temps. Quand derrière, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Il y a des gens, ils aiment. Alors, vous allez dire où est-ce que je vais? Un petit entraînement, ça fera pas de mal, je pense. Je pense donc. Et la vidéo principale, on commence comme ça directement, genre. Ah ouais, dès que je suis oh, aujourd'hui ouais. Je vais distribuer des cadeaux pour les enfants. Franchement, je suis bien. Hein. Moi, j'aime bien. C'est pas un costume de 10 balles. C'est un costume bien, non? Luxe. Luxe costume. En fait, ce costume coûte 99€. Mais il y a une promotion. Mais après, j'ai payé tout ce qui reste à ma côté, presque 100€. Louis Vuitton. Regardez la qualité là. Versace ici. Versace. Voilà, je suis beau gosse ou pas? Oui, mais il ne reste pas le temps, non? Parce que là, dans une heure, il va commencer à être sans. Vas-y, on fait il est quelle heure là? Il est 14h. Presque 15h. Ouais, il est 14h, il n'est pas 15h. Presque 15h. Presque 15h, il est 14h, il dit que c'est presque 15h. Où est la logique? Où est la logique? Il dit, il est 14h. Il est 14h, mais il est presque 15h. Bah oui, mais presque, il est en dégâts. On se dépêche avec ça, on n'a pas le temps. Mais... En plus, il fait froid. En plus, il est allergique. Ouais, il y a la barbe. C'est... Il faut faire... y a rien à voir de truc naturel dans cette barbe. Bah oui, il faut faire plus vite possible. Regarde comment elle a mis la voiture. Ça ne semble pas aller. Qui? Elle a mis sa Twingo comme ça. Devant, ah ouais, la meuf, elle a mis comme ça. Devant la porte, elle est partie. Elle a dit, aucun révérend ici. Ça le fait ou pas? Non. Ah attends, faut mettre ça ici. Ah, tu vas acheter nos barbes. Ouais, j'aurai la barbe donc t'inquiète pas. On barbe qui se montre. Voilà. Quoi intéressant. Simple. Et puis vu que j'ai Super Noël dealer. Ah y'a ça aussi. Eh ouais. Une vraie ceinture de. C'est pas un vrai mais bon. C'est le bimia, un le bimia masqué. Les Père Noël sont plus gros. Bah moi je suis un pas un vrai Père Noël. Regarde. Oh non. C'est bon. Là, il y a ça. Bon. Là, oui, il y a le bonnet. On connaît le pompon là. Il y a une sbeki encore. On enlève le pompon. Monsieur, vous ne connaissez pas. Si, si. Qui connaît Younes Bekifkourov? Écrivez sur dans les commentaires. Attire, ouais. Bien. Ouais, postage, c'est chance. На изоленту наклей. Ça le fait. Je serais perdu avec mon masque de sourcil. Брашк, быстрее поставь. T'inquiète. Je serai le seul pernal avec moins d'un sourcil. Pas plus fou. Pour Mazda. Package. Zoom.
Ouais, ça donne quoi? C'est trop moche, non? C'est trop moche. Mais c'est bien. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais est-ce que ça va tenir, ça? Non. Ça va pas tenir du tout. Знаешь, как tenir будет? Вот так, если ты шапку сверху придержишь. Придержи его шапкой. Ah, ça me rentre dans l'œil. Finalement, on a décidé d'enlever parce que ça tient pas. Maintenant, il faut enlever la colle. La colle, ça colle, hein. Heureusement, c'est pas super, super glue là. Ouais, c'est super glue. Non, c'est pas le super colle. C'est pas bien, super colle. Там вообще воду не оставишь. C'est bon. C'est bon. On va faire, c'est bon. On va faire sans sourcils. Sans sourcils. Père Noël sans sourcils. Hein? Père Noël sans sourcils blanches. Et ouais, j'ai toujours tout prêt sur moi. Non, je rigole. Ça, j'ai repris parce que je vais faire sport après. Arrête d'éjaculer la barbe là. Ouais, parce que c'est une vidéo. Bon, le moment principal, pas que j'ai oublié de mettre le micro. Oh, oh, oh! Ça le fait? Alors, dis une bonne. Только, чтобы брови тоже закрывали. Ah, ça le fait classe! Ouais, это хорошо, да. Ça le fait très très bien. Merci. Ah, c'est bon, je suis vrai Père Noël. Ah, c'est bien, c'est passe crème. Ça passe crème, ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Comment il y a des bouchons comme ça là? J'aimerais toujours savoir c'est qui le con, le tout début qui crée cette bouchon, cette putain. Il y a sûrement un con qui l'a créé cette bouchon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Dans la vie, il faut être plus malin. C'est pas que je force, c'est juste que j'étais libre la voie et j'ai passé. Donc le mec était pas content. T'as dû prendre cette voie là. Oh, mais ah, il est chaud, le vieux, il est chaud. Il est chaud, il va dépasser et tout, il est chaud. Et lui, il est chaud, mais lui, je ne laisse pas passer. Bah non, il tourne à droite. Ah, d'accord. Et lui, le vieux, il était chaud parce que il a dit non, je ne me laisse pas faire par un petit jeune. Il est passé. Bien joué. Respect pour des mecs comme ça. Bon, vous n'allez pas croire. Là, en reculant dans la caméra, j'ai vu qu'il y avait une voiture russe. Attends, je monte la marque. Ah, c'est vrai, c'est Peugeot. Oui, mais je croyais que c'était voiture russe. Mais vas-y, il ressemble beaucoup à une voiture russe. C'est bien, hein, caméra de recul. Ouais. En sachant que voiture russe, c'est de la merde. On pourrait se garer comme voilà, ça. Si vous avez une caméra de recul, on se gare pile poil quelques centimètres de la voiture de derrière. Bon, on avance vers Tour Eiffel. Franchement, très très bel monument. Hein. Donc, les gars, si vous passez par là, s'il vous plaît, achetez le Tour Eiffel. Combien tu vends? Combien tu vends? Mais 30. Combien? 30. 30. 30, c'est quoi? 30. Non, je parle français. En français, ça fait combien? Et 10. Il a dit 10 euros. Si vous voulez acheter 10 euros, venez ici, il va vendre 10 euros. Mais fais un prix 5 euros pour mes abonnés, ça fait, ok? À cause de 30. Bon, il va faire 5 euros pour mes abonnés. Moi, j'achète pas, merci beaucoup. Bonsoir. Non, j'en ai déjà chez moi, merci beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, il va faire un prix avec code promo Ibra TV, vous allez faire moins 5%. T'as trop de gens ici, là, et ça fait une demi-heure qu'on veut prendre l'essence pour remplir le bidon, là, et putain, ça fait chier quand même, ça fait chier. Petit bonnet, petit bonnet, tu es tout gris, ton petit bonnet. Et bien sûr, j'ai pris des bonbons pour que je puisse quand même distribuer des bonbons. Ouais, des bonbons. Bonbons? Oui. Oui, attends.
Bon, déjà on commence que les enfants ils aiment bien le caramel. Tiens. Pour toi. Bon, on sait déjà que ça marche. Merci, papa. Merci, merci à toi. Merci. Y'a pas de soucis. Non, rien. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est Papa Noël, c'est pas monsieur. Bon, on sait que ça marche déjà pour les enfants. Mais quand je vais voir les jeunes, je vais leur vendre du l'herbe. En fait, c'est du thé. Mais vu que c'est la vidéo c'est Père Noël dealer, donc du coup je vais vendre de l'herbe. Et si jamais il y a des enfants, je leur passe des bonbons. Bon, Jamie, il a une super idée. On va aller monter sur deuxième étage, ça. Troisième étage pour boire du thé. Et on aura une belle vue sur Paris un petit peu. En tout cas, on va essayer, d'accord. Si ils sont ouverts. Hein. Ouais, si ils sont ouverts. On va essayer de monter deuxième étage, boire du thé. Ouais, c'est fermé. Alors, un autre jour, on va vous montrer le resto de deuxième étage. Salut, ça va ou quoi? Oh, t'as un petit message à passer ou pas? Bonjour, ça va? Mes pouces bleus. Voilà, déjà mes pouces bleus, tu vois, mes pour commencer. Mes pouces bleus, apprécier tout, c'est bon. Ouais. Un message à passer à 10 000 gens ou pas? Joyeux Noël. Voilà, c'est plus important, il a dit joyeux Noël, donc j'espère que vous avez passé un bon fête de fin d'année. Voilà. Voilà, merci à toi, mec, j'espère que tu vas passer aussi bonne. Merci, allez, pas de soucis. Bon, voilà, de temps en temps, ça fait plaisir de croiser des abonnés. Je peux vous dire sincèrement, avant j'ai aimé le paradis, tout ça. Bleu. Tu vois? Bon, il a dit, mais pouce bleu aussi. Ouais. Viri, 9-1. Bon, pour la deuxième fois, deuxième pouce bleu, donc là, 200 000 pouces bleus, facile, c'est ça ou pas? Vas-y, attends. Là, il a des trucs à dire apparemment. Mais lui, 500 000 pouces bleus, sinon je vais débarquer, vous allez voir. Okay. T'as compris ou pas? 500 000, je rigole. 500 000. Rigole même pas, 500 000 direct. Donc voilà. Vas-y hein. Ah, il y a d'autres abonnés ici. Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va. Bon, on croise beaucoup d'abonnés ce soir hein. Ce soir, c'est chaud hein. Ouais. Il a dit quoi la meuf? Hein? Il a dit vous faites quoi? Vous faites des abonnés ou pas? Ah ouais. Putain, il y a des abonnés là-bas aussi. Il y a des abonnés là aussi. Hey, vous êtes sérieux genre tous ces des abonnés? Je suis sûr que c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée là. Ça veut dire qu'il y a tous mes abonnés, ils sont là. Ça va les gars? Ça va quoi? Tranquille? Ça va. Moi je suis en vlog quoi. Ah ouais? Ça se balade? Ouais, ça se balade, il y a vlog, il y a des abonnés, tu vois, ça fait plaisir quoi. Normal, c'est lourd. Hein. Voilà. Vous faites quoi les gars? On se balade là. On balade, enfin, balade? Rien de plus? Ouais. Ah, non. Juste comme ça, balader. Ouais, bien sûr. Ah bah c'est bien, il faut prendre du l'air un peu, du l'air frais et tout, donc ça ouais, bien. Voilà. Donc voilà. Ça repart des conneries là ou c'est comment? Non. Faut prendre un selfie avec toi. Un selfie, 10 euros s'il te plaît. Ouais, tu viens, tu me fais un croum. Vas-y. Ah, t'as voilà. Sûr, merci beaucoup. Merci à toi, vas-y. Ouais, super les vidéos. Merci. Ah bon, on prend une photo? Oui, bien sûr. Vas-y, merci. Bon. Après, peut-être on va boire un peu de thé pour se réchauffer. Vas-y. Bah là il faut changer le portable parce que là il a un petit peu... Oh, il est fatigué mon téléphone. Il est fatigué de ouf. Vas-y les gars, bonne soirée. Vas-y, merci à vous aussi, bonne soirée. J'ai bien vu les vidéos à son art. Merci, je vais essayer de continuer à vous faire plaisir avec Jam. Vas-y, merci. C'est où là? c'est la première fois que je la vois. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. Attends, je me laisse moi mettre dans la lumière. On dirait que c'est du singe qui découvre. Attends, là on voit bien. Là il y a les vrais bails. Là on voit. Oh là. Attends, là. Non. C'est la lumière les gars. Ah, c'est la lumière. Déjà... Ouais, non, bon, ok, bref. Je savais que j'étais plus fort que lui dans tous les cas. Même sur la vidéo, je suis plus fort. Attends, déjà là, tu vois. Déjà, plus je me recule, tu vois, déjà là, ça commence à être un peu ombré. C'est un peu sale. Dites-moi, qui est plus gros? Non, parce que là, il est congestionné. Qui? Non, j'ai même pas fait les bras. Non, il faut pas. Moi je crois que c'est la lumière parce que tu vois là. Non, là, dites-moi là, quand ça arrive sur la lumière là déjà, ça commence à être chaud. Non, en fait, il prend le somme de moi. Pas du tout. Par contre, j'ai le somme de ta barbe. Normal. J'ai envie d'avoir la barbe comme toi. Bah en fait, moi c'est quand j'ai vu les premières vidéos de From Human to God. Ah. Donc j'ai découvert ces vidéos il y a 4 jours.
Ouais. Et dès que je l'ai vu, j'ai décidé de me laisser pousser la barbe. Ouais. Voilà. En 4 jours, les En 4 jours, ouais. Parce que je suis bien ses méthodes. C'est un grand fan, donc c'est pour ça il ressemble beaucoup à. Très grand fan. Surtout sa vidéo de 200 000 abonnés, tu l'as vu. Alors, donc vidéo de 200 000 abonnés, il fait des pompes pendant une minute. Franchement, j'étais tellement impressionné. Tu vois laquelle il a liké la vidéo, oui. Hein. La vidéo spéciale de 200 000 abonnés. C'est un fake, je reste un sosie de lui. Attends, mais il fait ce que lui sur sa chaîne. Hein? Il fait ce que lui sur la chaîne. Non, mais propre. J'aime beaucoup d'ailleurs. Mais beaucoup. Pour le spécial de 200 000, j'aurais fait un peu plus, je pense. Des pompes, je te fais tout de suite si tu veux. Ouais, je pense. Moi, j'aurais. Des pompes claquées. Ouais, voilà, moi, au moins, pompes claquées. Non, mais je sais pas je parle de ça, mais ça m'avait fait galerie. Mais moi aussi. Parce que j'ai mal à la jambe. Non, il avait fait les effets, tout ça, c'est pour ça. T'as pas vu? En cross-training. Tu vas en cross-training? Tu vas en cross-training? Non. Moi, je fais mon training moi-même. Pas besoin de cross training. Là, l'entraînement est terminé. Ne cherche pas, il n'y a pas de logique dans mon entraînement. Je fais un peu tout ce que j'ai envie, tout ce que mon corps demande. Alors, j'ai mes mais je sais même pas qu'est-ce que je chante ça. Je commande une vingtaine, se roser la vie est plus belle. On chute, on chute, on chute. Fait bang bang, du Mali, sauf pour Carden, jusqu'à la fontaine. Bon, c'est parti pour la vidéo principale. Loup, mon bonbon. Franchement. Des fois le tournage est très très cool hein. Des fois c'est easy, des fois c'est dur, mais en général, une fois qu'on commence, ça on s'amuse vraiment parce que ça fait c'est marrant tu vois de faire piéger des gens, tout ça c'est marrant. Mais avant de commencer en fait il y a beaucoup de stress pour savoir si on va réussir, si on va trouver les moyens, tout ça. Ça c'est le futur, je sais pourquoi on va ici. Donc si vous avez envie de participer avec nous, si c'est une bonne idée, écrivez dans le commentaire si vous voulez qu'on organise, que de temps en temps on ramène des abonnés, c'est une bonne idée ça, non? Ça dépend pourquoi. Non, un, deux abonnés maximum, hein, je ouais, parle. Ouais, un ou deux, ouais. On va choisir un ou deux. Et ce 1 ou 2, il ne faut pas qu'il dise aux autres 1 ou 2 ouais, pour qu'il vienne, parce qu'après il n'aura pas 1 ou 2, il y aura à peu près 50 personnes et ouais. C'est chaud. Même si on prend, si on dit venir, c'est genre vraiment 1 ou 2 personnes, pas plus, viens ici. Mais par contre, quand on... C'est vrai, il y a très peu de gens là. C'est pour ça que je te dis. Le plus haut, peut-être il y aura des gens. Après c'est moi qui s'affiche. Avouez qu'il y a des basses musiques. Faire la coupe tu vois pour être BG en toutes circonstances, mais t'as un putain de bouton sur ta joue, donc tu peux pas être BG à 100%. Je fais un zoom sans faire exprès, mais ça fait piéger, t'as vu. Bref. 80 et moins. Hey, cette musique elle date depuis 5 ans je crois. Quels 5 ans? 10 ans? Bah ouais, facile. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'écouter rap. Bah c'était tes potos qui rappaient. C'est la terreur. On sait où l'on part et tu sais où l'on vit. Mais c'est tout derrière moi. Tu es mon gigaïne. Ah, à coup de fusil à pompe pour tout le monde, notre monde. Franchement, ça fait plaisir de... Entendre des anciens, ça fait rappeler l'enfance si tôt. On appelle ça la nostalgie. Non, ça s'appelle l'enfance parce que moi, 10 ans derrière, j'étais en collège, j'étais en 4ème. Et ça s'appelle la nostalgie. On sait où l'on va et tu sais où l'on vit. Très très dur à faire parce que il y avait plein d'enfants qui voulaient des bonbons, il y avait des grands qui voulaient des photos. Ouais, des grands qui voulaient des bonbons. Il y avait des abonnés. Et quand vous voyez, je fais une vidéo, laissez-nous terminer la vidéo parce que vous nous faites griller. Franchement, s'il vous plaît, donc prochaine fois, si vous voyez qu'on est en train de faire une vidéo, laissez tranquille, s'il vous plaît, laissez-nous faire. Une fois qu'on a fini, on prendrait des photos, tout ça. Parce que là, vous avez quand même. Mais vous à peu près. Non, le truc, c'est que le mec, ils me reconnaissent.
Après, ils commencent à appeler les autres. Ouais, après, voilà. Il y en a 15 personnes qui courent derrière moi. Bon, il y a Otox, Otox, Colobo, Colobo, je crois. Désolé, Otox. Il a sorti un vidéo sur moi. On va regarder un petit peu ensemble. Ah, j'aime bien, il fait des beaux effets et tout ça quand même. Ouais, c'est travaillé. Bravo, mec, bravo. Je vous rappelle qu'Otox m'a demandé si ça me dérangeait qu'il me critique. J'ai dit non. Otox, ça me dérange pas que tu me critiques. Parce qu'il y en a, ils disent ouais, Ebra, tu aimes pas quand tu critiques. Non, franchement, je m'en fous qu'on me critique, mais je dis, Otox, fais une vidéo sur moi, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas d'insultes et tu manques pas de respect, il n'y a pas de conneries, des trucs pas vrais. Donc il a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà. Aussi apprécié que détesté, je vous présente celui qui nique le YouTube game actuellement. Je veux bien sûr parler d'Ibra TV. Ah ouais. Ça nique le YouTube game, ce qu'il va. Je sais pas. Hein. Moi, je fais une vidéo tranquille. Apparemment, ça marche. Je me doute que cette vidéo, vous l'attendiez comme il faut. Apparemment, il est modeste pour toi. C'est toutes les malfaçons de ce YouTuber, en tout effet, que tu m'accuses. Et dans cette vidéo, je serai le plus impartiable possible. Car rappelons-le, on est là pour essayer de comprendre. Même si c'est pas forcément si facile. Voire carrément impossible. Ouais, et je le précise quand même, mais cette vidéo reste un MCNA avant tout. Mais il y a bien plus à dire qu'un simple fait. C'est quoi MCNA? Car vrai ou pas, une vidéo sur sa chaîne qui date il y a un an, intitulée L'argent ou l'honnêteté. Expérience sociale. Ah, ça c'était lourd. Ah, là c'était pas mal, là c'était pas mal. Expérience sociale, il a dit. C'est qui en fait? Hein, en tant que c'est ton pote ou c'est toi qui fais la voix, genre. Ah, cette vidéo, vas-y, montre-la. Hein, cette vidéo. Ici la non-réclamation des pauses bleues. Eh ben non, on peut pas, on a pas le temps. Et la musique plutôt sympa. Et là, on remarque de suite que c'est bel et bien une caméra cachée. Pas comme un certain Romain, par exemple. Pas de fake à l'horizon, il demande même l'autorisation pour poster la vidéo sur sa chaîne. Non, je demandais, est-ce qu'on peut mettre sur YouTube? Ça dérange si on met sur YouTube. Putain, ça c'est moi ça. Mais non. Vas-y. Je vous rappelle. Cette vidéo là, une des premières vidéos, j'ai tourné avec mon frère. Et je peux vous jurer, on a pris combien de temps? 3 jours? Non, je crois que. Fou, on est allé plusieurs fois dans. Ouais, non, franchement, je crois qu'on a fait. En une semaine, on va dire, ça nous a pris une semaine pour faire cette vidéo parce que. Moi, j'étais là dans le début. En plus, il faisait froid, il était hiver, je vous jure que c'était très dur. Le début, c'était très dur. Yeah! C'est ça, petit poney. Nouveau remix. Là aussi, on avait filmé une vidéo genre quand on piquait l'essence dans la voiture. Il y avait que moi qui l'a fait. Vous avez dit vous allez faire après vous allez laisser au plomb. Parce que les flics sont venus donc on n'a pas fait, c'est normal. Mais franchement, les débuts c'était bien aussi, c'était dur, mais on est passé. Donc on va regarder un petit peu la vidéo. Dans l'ensemble, ça reste une vidéo adaptée de contenu américain, sans pour autant être politiquement incorrect. Saupoudrée d'une petite morale obtuse à la fin. Moi aussi, vous avez envie. Si vous avez envie, allez voir Otox Colobo, je crois. Je suis désolé, je me rappelle. Je sais que c'est Otox, après le reste, je sais pas. Donc voilà, je il a fait. Pas te corriger cette fois-ci. Ouais. Donc voilà, allez voir. Moi, je regarde moi-même, donc je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure. Hey, il y a un moment, j'ai trop kiffé dans la vidéo. Attendez, je vous ramène le moment. Mais franchement, attends, il est trop fort. Il est trop fort. Attends. Franchement, là, en fait, c'est des rares vidéos où je rigole. Là, j'ai rigolé. Là, attends. On va s'arrêter. Ouais. Et tu montres aussi le moment. Ouais, c'est bon, c'est bon. Quoi? Mais t'es fou. T'oublies que des centaines de clowns comme vous se font massacrer chaque soir d'Halloween. Je suis désolé, vieux. Ah, bah oui, t'es désolé, mais bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je le sens plus. On se plaît. C'était quoi ça? Oh putain, t'as trop bien fait le truc et tout, putain, j'ai trop rigolé. Il est très fort. À la base, j'aimais pas. Non, à la base, avant quand je t'ai vu première fois, j'aimais pas ta tête, j'avoue, je suis direct, j'aimais pas. Mais après, je regarde les vidéos. Et franchement, elles sont drôles. Ça me fait beaucoup rigoler. Merci pour cette rigolade. Oh merde. Moi, je regarderai finir après. Jam, il a proposé de boire du thé ici dans ce resto là. On va voir s'ils sont gentils, ils vont accueillir avec caméra ou sans caméra. Donc voilà. Bonsoir. Pour trois personnes, s'il vous plaît. Bon. Hop. On va voir si leur thé il est bon. S'il est pas bon, on va recracher directement ici. C'est ça ou pas?
Bonjour, gentlemen, businessman, toujours au téléphone. Je t'envoie la localisation. Bon, les gars, il y a un truc à dire. Tout à l'heure, on est passé sur M6. Attends. Ouais, Jam, t'es sur M6. Bon, on n'est pas sur M6. 10 secondes, c'est déjà ça. Pas 10, mais 6 secondes. Ouais, 6 secondes, mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien, non? Bah oui, c'est bien. M6, c'est bien. M6. Ça veut dire que la télé, ils ont besoin de Ibra TV pour avoir des vues. C'est malheureux. Sauf qu'ils ont rien précisé que c'était Ibra TV. Hein. Ouais, même ils ont flûté le logo. Hein. Non. Quand ils ont montré la vidéo, ils ont augmenté le nombre de vues pour qu'on voit pas c'est quoi la chaîne tout de suite. Ouais, bah oui, bah attends, je connais, ils ont pas envie qu'on ait plus d'abonnés que ça. Mais si nous on prend des images de télé, là par contre on a des problèmes de droits d'auteur. C'est ça. Mais si télé prend les images de YouTube, là ils ont même pas demandé en fait. Ils font leur vie. Voilà, c'est ça la dictature. Moi c'est chaussure le botin, mon frère. C'est le botin ça? Ouais. Et j'aurais pas payé 10€. Je te jure, si je savais pas que c'était le moutin, je me dis ouais, tu fais comme 10€, il n'y aura pas payé. Pas de problème, hein. T'inquiète. J'en ai encore 6 autres à te montrer, donc t'as le choix. S'il m'avait pas dit que c'était le boutin, j'aurais pas payé 10€ les chaussures. Et c'est pour ça qu'il est riche. Lui, c'est le fondateur de moi. C'est lui qui gère toute l'argent. Regardez tout l'or qui nasse. Je veux rester anonyme. Bon, vous savez, les gros poissons, ils restent dans l'anonymat. Et c'est des petits poissons qu'on nous, on travaille pour eux. On doit négocier pour faire un petit test. Exactement. Et je suis pas trop d'accord avec cette histoire-là. Parce que pourquoi? C'est dans la vie, tu vois, il y a des casseroles. Une casserole qu'on appelle Toyota. Et toi, t'as quoi comme voiture? J'ai un chef étoilé. Ah. Donc, il se mélange pas les casseroles, tout est dit. Ouais, voilà, tout est dit, ouais. Voilà, et je suis Guyanais, ouais. Vive la Miss Guyane. Là, on est arrivé, du coup, on va aller commencer préparer. Les choses sérieuses. Ouais. On va commencer les choses pour quelles on est là. Alors, je vous explique un peu la situation. Le résultat, soit ça va exploser, soit ça va pas exploser. De toute façon, il n'y a pas autre choix. Je vais t'appeler Antox Colobox. Ça ne te dérange pas, j'espère. Bon, Antox Colobox, j'ai bien aimé ta vidéo. Mettez un petit pouce bleu pour Antox Colobox. Parce que c'est rare que je rigole, tu vois, vraiment que c'est marrant. Peut-être c'était marrant parce que c'était sur moi. Peut-être pas, mais en tout cas, ça m'a fait bien marrer. Voilà, attends, on va faire quelques tractions en même temps. Il faut se réchauffer là, il fait trop froid. Oh, regardez-moi cette essence, pure essence, pure. Vas-y, on fait quelques tractions. Je vais vous montrer un peu. Dites-moi si vous avez envie que je vous montre mon entraînement de traction et tout. Mais ça sert à quoi? Les gens, ils veulent pas un stock comme toi. Regardez, allume-moi. Yeah, baby. Yeah. Yeah. Bah moi aussi j'arrive. Eh ouais mon pote. Vas-y t'arrives. Vas-y fais. Vas-y. Non mais. Attends. Vas-y. Dépêche, y'a pas de batterie là. Y'a pas de batterie. Il te reste que 28 minutes, dépêche-toi. Hein? Vas-y, encore une, j'en ai fait deux moi. T'en as fait sur l'autre bras? Ouais. Bon, c'est pas tout à fait ça. Pour faire des tractions, il faut avoir biceps comme ça. Il est bien mon biceps? Lequel?
gauche ou le droit? Les deux. Tu vois? Lequel est le meilleur? Pouce rouge pour ceux-là, pouce bleu. Vas-y, bon, on arrête de compter, vas-y. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre, sinon, il n'y aura plus de batterie pour filmer ça. Oh là 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 là. Je vais m'en acheter bientôt à 7. Donc voilà. Bon, on va se barrer parce qu'ils vont dire qu'on est des voleurs. Deux noirs, deux russes. Ils vont dire putain, c'est qui ce mec? Devant moi, à 7. Sur ça, moi j'ai terminé mon entraînement et vous aussi vous avez terminé, regardez. Donc j'avais envie de vous dire un grand merci pour cette année incroyable, cette année qui a changé ma vie, cette année où mes rêves commencent à se réaliser. Comme si vous ne savez pas, mon rêve c'est d'aller à Hollywood. Donc voilà, merci beaucoup et donnez-moi vos avis dans le commentaire pour ce concept là. Donnez-moi les points positifs, les points négatifs. Dites-moi ce que vous aimeriez voir plus et faites vos critiques les plus constructives. Comme ça, je m'améliore. Sur ça, je vous souhaite une très très bonne fête de fin d'année. On se dit à la prochaine pour Ibra TV. Mais sur cette chaîne, je vais poster encore d'autres vidéos, je pense. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Allez, ciao.